el audio. Primero vamos a escuchar el audio y luego vamos a ver el texto, ¿ok? Entonces me gustaría que presten mucha atención a lo que a la pronunciación. Por favor. ¿Listos? Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. Il est 3 h du matin. Maxime téléphone à son ami Émile. Allô? Salut, tu es réveillé? Il est 3 h du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un pneu crevé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec un cric pour m'aider? Il est 3 h du matin. Je rentrais de la fête chez Sandrine et je pense que j'ai roulé sur du verre ou quelque chose comme ça. Philippe était à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir m'aider, Émile? Tu es toujours là? Tu envoies un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu besoin. Je retourne me coucher. Attends. Une voiture s'est arrêtée derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas. Un homme arrive. Appelle le 17. Regarde qui c'est. Il a quelque chose dans la main. Attends. C'est Philippe. Il est venu avec son cric parce que tu lui as envoyé un SMS. Ouais, maintenant je retourne dormir. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui. Tu veux faire quelque chose pour moi? Oui. Ne m'appelle plus à 3 h du matin. Voilà. ¿Qué tal estuvo? Una vez más. Oui, gracioso. Oui. Vamos a escucharlo una vez más, también para quien llegó recién. Un momento. Il est 3 h du matin. Maxime téléphone à son ami Émile. Allô? Salut, tu es réveillé? Il est 3 h du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un pneu crevé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec un cric pour m'aider? Il est 3 h du matin. Je rentrais de la fête chez Sandrine et je pense que j'ai roulé sur du verre ou quelque chose comme ça. Philippe était à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir m'aider, Émile? Tu es toujours là? Tu envoies un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu besoin. Je retourne me coucher. Attends. Une voiture s'est arrêtée derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas. Un homme arrive. Appelle le 17. Regarde qui c'est. Il a quelque chose dans la main. Attends. C'est Philippe. Il est venu avec son cric parce que tu lui as envoyé un SMS. Ouais, maintenant je retourne dormir. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui. Tu veux faire quelque chose pour moi? Oui. Ne m'appelle plus à 3 h du matin. Ok, bien. ¿Qué sucede? ¿Qué se pasa? ¿Qué puedo me contar un poco? ¿Vas Bueno, buenos días. Yo entiendo Bonjour. que el amigo le llama a las 3 de la mañana para pedirle ayuda, que está saliendo de la fiesta, que no puede, entendí que no puede conducir o algo así, ¿no? Y bueno, dentro de mucho, él le dijo, yo haría cualquier cosa por ti si me lo pidieras o algo así. Si tú harías cualquier cosa por mí, sí, pues no me llames a las 3 de la mañana. Algo así entendí, ¿no? Uy, ça va, oui, c'est bien. Oui, c'est globalement parce que les choses qui sont passées dans les dialogues. Quelqu'un d'autre? Alguien más? Alors, l'ami qui appelle, l'ami qui téléphone, a besoin
d'une chose. C'est quoi cette chose? ¿De qué necesita, ¿no? Él llama por teléfono porque necesita algo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Que le ayude con su coche o algo así. Él pregunta específicamente, ¿no? Se le ponchó Una. Ajá. Et donc, elle a besoin de. ¿Quién escuchó la palabra? ¿Nadie? no. Cric o algo así, ¿no? Cric, très bien. Le cric. C'est ¿Qué es un gato? Oui. C'est un outil, ¿no? C'est un appareil pour lever la voiture et changer le pneu. Vous avez compris? Si je dis pneu, c'est quoi le pneu? C'est l'abréviation d'un mot. Les Non, mais... voitures, souvent ont quatre nœuds. Ah, okay, llantas. Oui, c'est l'abréviation de pneumatique. No, neumático, llanta, goma también. OK? Oui, d'accord? Oui, d'accord. Donc, l'ami était en train de retourner de la fête d'une personne. Comment s'appelle cette personne? Felipe, Non. mecánico, No, no. no, Eloís, Je no, répète, je répète. L'ami était en train de retourner de la fête d'une personne. Cette personne, comment s'appelle? Eloís, no. Sandrine, elle dit, j'étais à la fête chez Sandrine, ¿no? Estuve en fiesta en casa de Sandrine. Entonces, esa es la persona de la casa de quien está regresando. Ok, vamos a intentar ahora ver el script en pantalla y escuchar una vez más el diálogo para intentar ver, ¿no? Con la lectura visual qué tanto hemos entendido y qué tanto no. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo aquí, por favor. Ok. Bien, atentos por favor a la pronunciación. Il est 3 heures du matin. Maxime téléphone à son ami, Émile. Allô? Salut. Tu es réveillé? Il est 3 heures du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un pneu crevé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec un cric pour m'aider? Il est 3 heures du matin. Je rentrais de la fête chez Sandrine. Et je pense que j'ai roulé sur du verre ou quelque chose comme ça. Philippe était à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir m'aider, Émile? Tu es toujours là? Tu envoies un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu besoin. Je retourne me coucher. Attends. Une voiture s'est arrêtée derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas. Un homme arrive. Appelle le 17. Regarde qui c'est. Il a quelque chose dans la main. Attends, c'est Philippe. Il est venu avec son cric parce que tu lui as envoyé un SMS. Ouais, maintenant je retourne dormir. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui. Tu veux faire quelque chose pour moi? Oui. Ne m'appelle plus à 3 heures du matin. Voilà, vous avez compris? Oui. Bien. Entonces, a ver, veamos un poco algún léxico que no conozcamos antes de pasar al ejercicio de lectura.
vamos a empezar la primera línea. Maxime téléphone a son ami Emile. Todo bien aquí, ¿no? ¿Aló? No, esto se quedó del diálogo anterior, perdón. La neta ya me revisó, atendí. Ok. Ok. Bien. Salut, tu es réveillé. ¿Se veut dire quoi, réveillé? Despierto. Estás despierto. Ajá. Il est 3 heures du matin. ¿Qué más? Oui. Tu ne dors plus, mon... tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin de... Ajá, le dice que son las 3 y luego le dice, bueno, ya no vas a dormir ahora porque necesito ayuda. No, j'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. Est-ce que tu veux? ¿Qué quieres? J'ai un pneu crevé et je ne peux plus conduire. ¿Tu peux venir avec un cric pour m'aider? Aquí tenemos pneu crevé. ¿Cómo podríamos traducirlo a eso? No sé. Si tiene un problema del neumático, ¿qué puede haber sido? Creve, ¿qué podría significar en este caso? ¿Que se le ponchó la llanta? Exacto, ¿no? ¿No? Un neumático pinchado, estallado, roto, ¿no? A ver, aquí, je rentré de la fête chez Sandrine. ¿No? Je rentré de la fête chez Sandrine. ¿Cuál es el significado de por sí en general, ¿no? De esta frase. Es como yo regresé de la fiesta de la casa de Sandrine. Es un imperfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Regresaba? Exacto, ¿no? Está contando. Yo regresaba de la fiesta de Sandrine y creo que roulé, a ver, aquí roulé, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Circulé o manejé? No, conduje, ¿no? Ah. Digamos, ¿no? Sobre vidrio o algo de ese tipo, ¿no? O sea, básicamente le explica cómo es que pudo haber pinchado el neumático, ¿no? Et je pense que j'ai roulé sur du verre ou quelque chose comme ça. ¿Oui? Luego el amigo le pregunta, ¿Philippe était à la fête? ¿Qué quiere decir? Y Philippe estaba en la fiesta. Uh-huh. Philippe también estuvo en la fiesta. Estaba en la fiesta, perdón. Oui, pourquoi tu peux venir m'aider? Emile, tu es toujours là? Tu envoies un SMS? ¿Por qué le pregunta, según ustedes, Emile, si Philippe estaba en la fiesta? Para mandarle un mensaje. No, le envía un mensaje a Philippe, ¿no? Y le envía un SMS a Philippe. Básicamente lo que le dice es que vaya a ayudar, ¿no? A Maxime, porque él no va a ir, ¿no? Él no irá. Es básicamente esto lo que sucede. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, je ne vais pas venir. ¿Por qué tu n'as pas de cric? Cric es esta herramienta aquí, ¿no? Un gato que le llaman, ¿no? Es obligatorio que los autos la tengan. No sé si acá en México, pero al menos en Francia es como que hace muy obligatorio que la tengan, ¿no? Por si sucede algo de este tipo, sobre todo en carreteras. Ok. Je ne sais pas. Opa, aquí es el corrector, lo siento. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu besoin. ¿Qué quiere decir esta frase enorme? Yo no sé. No, no es no sé. Yo no...
¿Yo no estuve? No. Veamos por el contexto. Aquí dice, ah, no, yo no necesité, ¿no? Tienes... ¿no? Yo no exacto, necesité. Nunca lo he necesitado. O por ende, nunca lo... Nunca he tenido el sentido de la necesidad de tener este click. Prof. Pero je ne sais pas es... Yo no sé, ¿no? Ah, je ne sais pas, sí. Ah. Era la segunda, ¿no? Je ne n'ai jamais besoin. Ok. Je retourne me coucher. Regreso a dormirme. Attends. Une voiture s'est arrêtée derrière moi. ¿Qué quiere decir esto? Que un coche ha parado atrás de él. Exacto, ¿no? Un coche se ha parado detrás de ellos. ¿Sé qui? ¿Quién es? Je ne sais pas. Ah, no me arrivo. Appelle 17. Aquí ese es el número de la policía francesa, ¿no? El número de emergencias, el 17. No, por eso le dice, ¿no? Appelle 17. Llama 17. Regarde qui c'est. Mira quién es primero, ¿no? Básicamente le dice. Il a quelque chose dans la main. Attends, c'est Philippe. Il est venu avec son cric. Excusez-moi ici. Oh. Attendez. Bla, bla, bla. Voilà. Il est venu avec son cric parce que tu lui as envoyé un SMS. Ouais. Maintenant, je retourne dormir. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui, tu veux faire quelque chose pour moi? Oui, ne m'appelle plus à 3 heures du matin. D'accord? Bien enojado. No, exacto, ¿no? Creo que todos. A un punto, a un cierto punto. Amistad y amistad, pero a las 3 de la mañana déjame dormir. Bien, entonces vamos a intentar repetir el diálogo, por favor. ¿Quién se anima? A ver, yo. Jimena, ¿con quién más? Moi. Juan, bueno. Perfecto. Oui. Entonces, a ver, Jimena, vas a ser tú la Maxime, ¿no? Vas a ser quien llama para pedir ayuda. Y Juan, vas a ser el amigo despierto. O sea, ¿yo el negro? Oui. Ok. Pues sí. A ver, que yo empiezo, ¿no? Oui. Ok, ¿aló? Salut, tu es réveillé? Il est 3 heures du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un... ¿Cómo se dice esa palabra, pro? No. Pneu. ¿Cómo? Pneu. Rêvé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec un prix pour m'aider. M'aider. Il est 3 heures du matin. J'ai retenu de la frite chez Sandrine. Et j'ai pensé que je roulais sous du béret. Quelque chose commence. Philippe était à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir m'aider? Emile, tu es trop vieux, là, tu envoies un SMS? Tu envoies un SMS? Tu envoies un SMS. Je ne vais pas venir pour. Pourquoi tu n'as pas de cric? Je ne sais pas. J'aime en personne. Je retourne me coucher. Attends, un voiture est arrêté derrière moi. C'est qui? Une voiture. Est arrêté derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas, un homme arrive, appelle les 17. Regarde qui c'est. Il y a quelqu'un
shoes dans le monde. En train, c'est Philippe. Il est venu avec son cri parce que tout le monde a embrouillé en SMS. Oui, maintenant, je retourne dormir. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui, tu veux faire quelque chose pour moi? Oui. Ne m'appelle plus à 3h du matin. Ok. Oui, ça va, merci. Solo attention, Juan, es 3h. 3h. Ah, on va faire la liaison. Oui. 3h. Oh, oui. Il est 3h du matin. Oui. Merci. Ça va. Aquí solo Jimena. Perdón. ¿Sí? Mm-hmm. Ok, aquí es Busuan. Uh-huh. Okay. Ok, merci. Un par más, por favor. Yo, Gabriela. Gabriela, ajá. ¿Quién más? Yo, Cintia. Perfecto. Entonces, Gabriela, vas a hacer línea azul y Cintia, línea negra. Adelante. Oui. Aló. Salut, tu es réveillé. Il est 3h du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un nœud crevé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec Henri pour m'aider? Il est 3h du matin. Je rentre de la fête chez Sandrine et je pense que j'ai roulé sur du verre. Ou quelque chose comme ça. Philippe est à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir m'aider? Emile, tu es toujours là. Tu envoyais un SMS. Je ne veux pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai retourné me coucher. Attends, une voiture s'est arrêtée derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas, un homme arrive appelé 17. Gérald, qui c'est? Il a quelque chose dans les mains. Attends, c'est Philippe. Il est venu avec son cri parce que tu lui as envoyé un SMS. Ouais. Maintenant, j'ai retourné dormir. Merci. Tu as besoin de quelque chose? Tu peux m'appeler. Ah oui. Tu veux faire quelque chose pour moi? Pour moi? Oui. Ne m'appelle plus à 3h du matin. Oui, merci. C'est prof, bien. Merci. Qu'est-ce O-Y-S? Ese no lo entendí. Esa es la variación más coloquial de oui, ¿no? Se lee oui. Es un sí así como que muy entre amigos, ¿no? Ya. Okay. Sí. Bien. Como un aquí, sí. ¿Como un? Ah, no, perdón. Está prendido mi micrófono. Ok. A ver, ¿qué escucho medio extraño? Oui. Aquí es tu envoies un SMS, tu envoies un SMS, et une voiture, no es one, no es une voiture s'est arrêtée derrière moi. ¿Qué más? Ah, il a quelque chose dans la main. No, la S de don no se pronuncia nunca, excepto en liaison. Dans la main. Oui. Ah, je retourne. Je retourne. ¿No? No hay ningún acento sobre la E, por ende la E es muda en este caso. No se pronuncia. D'accord? Oui. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ah oui, tu veux faire quelque chose pour moi? Ne m'appelle plus à 3h du matin. D'accord. ¿Hay un par más que quiere hacer leer el diálogo? J'ai deux questions. Oui, vas-y.
Oui, la première de, dans la mot un cri, qu'est-ce que ça veut dire? Un cri. Oh, oui, un cri aquí. Ah, oui. Oui, la herramienta, ¿no? C'est l'outil pour soulever la, la voiture, el gato. Ah, oui, oui, oui. Mm-hmm. Ok, la deuxième, quelle est la différence entre les verbes rentrer, oui, rentrer mm-hmm. et retourner? Mm. Parce que retourner, on peut utiliser ce verbe pour exprimer une généralité. Non? Je retourne, je ne sais pas, je retourne au Mexique, non? Je regresse au Mexique. Mientras que si, si l'on dit par exemple je rentre, hein, si, si je dis je rentre, hein, on peut comprendre que je suis en train de retourner chez moi. D'accord? Parce que le verbe rentrer est, a cette, cette on va dire, signifie d'exprimer de, une sorte de retourner. Chez moi, on retournait dans quelques places qui est familière pour moi. D'accord? Lo digo en español para que quede claro para todos. Estos dos verbos, ¿no? Rentrer y retourner, ambos quieren decir regresar. Pero atención, que retourner es mucho más genérico. Lo vamos a utilizar en una situación en que hablamos de un acto, el acto de regresar. Por ejemplo, el ejemplo que hice, ¿no? Yo regreso a México, ¿no? Je retourne au Mexique. En ese caso, cuando vemos la, el lugar donde regresamos, no es en general. Ahora, rentrer lo vamos a utilizar más en un contexto más familiar, un contexto más íntimo. De hecho, se utiliza en cuestión cuando hablamos de regresar a casa, ¿no? De hecho, si alguien dice je rentre, quiere decir yo regreso, estoy regresando a casa. O regresando a un lugar que nosotros tenemos así, que es ¿cómo decirlo? Un lugar íntimo, un lugar en el cual nos, nos hemos arraigado, ¿no? Probablemente no es nuestra casa, pero qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, quien vivió por, una, por un tiempo en otro país, ¿no? Si quieres decir yo regreso a ese país, igual dices yo, je rentre, ¿no? Porque ya ves ese país como algo tuyo, ¿no? Ves ese lugar como algo más íntimo. Entonces utilizas ese verbo, ¿no? Que se utiliza usualmente para decir regresar, pero a casa. No sé si me dejó entender esta diferencia. Sí, sí se entiende. Ok. No, es, dependiendo de la, del grado de intimidad, entre comillas, que se tenga con el lugar al cual se regresa, ¿no? Se utiliza uno u otro. ¿Sí? Y aquí, Dorian, solo que no me ayudan, ¿dónde está el verbo retourner en el diálogo? En este caso, lo que simplemente estaba diciendo no es la repetición de la acción que estaba haciendo antes, ¿no? Yo regreso a dormir y ya está. ¿Okay? También se utiliza en ese contexto. Me un peu, je peux utiliser en el mismo caso el verbo rentrer o no. Ahí no, ese... no. C'est incorrect d'utiliser rentrer ici. No, parce que okay. Retourner, es decir, tal cual, es regresar del español. En el sentido de el mismo uso que le damos, ¿no? Yo regreso a dormir, yo regreso a leer, ¿no? Yo regreso a cocinar, no sé. Alguien me interrumpió, estaba cocinando, tocaron la puerta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, je retourne à la cuisine. No, je retourne cuisiner. No, en ese caso, sí. Pero si dices je rentre cuisiner, no, no está bien. Ok, gracias. Okay, no, no son intercambiables en este caso. ¿Ça va? Está bien. Bien, dos más, por favor, para repetir el diálogo. ¿Más? Sharon, ¿y quién más? Mm-hmm. Vas-y. Sagrario, ¿puedes utilizar tu micro? Oui. ¿Podrías participar?
Vamos a ver. A ver, entonces, Sharon, eres línea azul y Sagrario, vas a ser línea negra. ¿D'accord? D'accord. Vas-y. ¿Aló? Salut, tu eres bien. Il est 3 heures du matin. Bon, tu ne dors plus maintenant. Je vais sonder. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un nom crevé et je ne peux plus conduire. Tu peux venir avec un truc pour m'aider? Il est... Ah non, j'ai m'équivoqué. Ah non, si. Il est 3 heures du matin. Je rentrais de la fête chez Santoui et j'ai pensé que je roulais sur des verres ou quelque chose comme ça. Philippe, es-tu à la fête? Oui, pourquoi? Tu peux venir me dire? Emile, tu es toujours là? Tu aimes... envoie un SMS. Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'es pas décrit? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu besoin. Je retourne me coucher. Attends, un retour est arrêté derrière moi. C'est qui? Je ne sais pas, un homme paru appelle les dix-sept. Regarde. Il a quelque chose dans les mains. Attends, c'est Philippe. Il est venu avec son truc parce que tu l'as envoyé en SMS. Ouais. Maintenant, je retourne dormir. Merci. Tu as besoin de quelque chose? Tu peux me parler? Oh oui. Tu veux faire quelque chose pour moi? Ne m'appelle plus à 3 heures du matin. Oui, ça va, merci beaucoup. Sagrario, ya era tiempo que no te escuchaba hablar. Has mejorado mucho tu pronunciación, muy bien. Merci. De rien. Ahora, igual hay algunas cositas que mejorar, ¿no? Por ejemplo, aquí, para en general, aquí, atención, la CR al final, ¿no? Usualmente no se pronuncian en los verbos al infinitivo. No, decimos dormir, appeler. Así que cada vez que lo encontremos, hay que recordarnos si se pronuncia o no se pronuncia. ¿Okay? Usualmente aquí con el verbo justo dormir, ahí sí usualmente se pronuncia, pero con el verbo appeler no nos quedamos así, sin la R. En cambio con dormir, ahí sí. Appeler, no. Parler, tampoco. Coucher, tampoco. Venir, sí. ¿Ok? Ahora, aquí la expresión Emil, tu es toujours là, ¿ça veut dire quoi? ¿Qué le está preguntando? Maxime. Sí, pero ¿qué cosa le pregunta con tú y tú y yo? Como si todavía estás ahí, ¿no? Ajá, exacto, sí, ¿no? Como estás ahí, no, es el estás ahí del español, ¿no? Tú y tú y yo, ¿no? Estás siempre allí, literal la traducción, pero le está preguntando, ¿no? si está ahí, y ya no lo escucha que responde. Y atención, la conjugación del verbo envoyer, lo habíamos visto, ¿no? En A1, en la conjugación de los verbos que terminan con YER. Entonces aquí vemos tu envoie, parce que tu lui as envoyé, en este caso es el participio pasado, un SMS. Aquí no es inglés,
¿no? Es como la sigla, ¿no? Del mensaje de texto. Es S-M-S. Puede parecer un poco como se diría en inglés, pero no, es la sigla en francés, ¿no? S-M-S. ¿D'accord? D'accord. ¿Ça va? ¿Est-ce que vous avez des questions avant de finir aujourd'hui? No. ¿No? Bien. Mañana vamos a empezar ya con otro tema, ¿no? En sí, vamos a ver qué tanto avanzamos hasta el día viernes, pero espero que la parte de la expresión de consecuencia ya quede clara, ¿no? Si alguno tiene una duda, avíseme, ¿sí? Pero yo me parece que creo que ya pudimos ejercitarnos un poco en clase y también con las diapositivas, me parece que queda un poco más transparente el tema, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que aún tiene alguna duda respecto a eso? Expresiones, ¿no? A aplicar. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, profe. Yo le comentaba, en mi caso, ajá, sí estudiarlas un poquito más porque el aplicarlas es lo que me está confundiendo un poco. Ok. Sí, sí. Yo te recomendaría en todo caso ver la luego cuando la publiques clase. El fin de semana, ajá, las clases o el fascículo de donde se explica también. Podrías ayudarte de eso, ¿no? Y lo que pasa es que justamente es el dónde aplicarle esa parte cuando hablamos de la consecuencia de por sí. O sea, cuando vamos a indicar una consecuencia, una cosa sucede por causa de otra, entonces ahí también, en ese caso. Pero espero que con la clase puedas recuperar. Sí, profe, gracias. Bien, entonces nos quedamos aquí el día de hoy. Mañana es el último día que hacemos 10 minutos más. Para ya cumplimos así la media hora de la clase pasada y nos vemos mañana. Au revoir, à demain. Ok, profe, merci. Chao, chao. Merci, bonne journée. Au revoir. Igualmente.